Cadette, Castelin, Jade, Ch'ti et bien d'autres, dans de nombreuses déclinaisons, eh bien dites-vous que toutes ces bières sont brassées au même endroit, à Bénifontaine, dans le Schnorlo. Danny Boone, c'est fait, on n'en parle plus. Donc toutes ces bières, elles viennent d'une grande brasserie historique, familiale, indissociable du paysage brassicole français, la brasserie Castelin. Et Castelin, c'est une de ces brasseries qui a su faire preuve de résilience dans les périodes les plus sombres et difficiles. En famille, depuis les années 30, ils ont su résister au parpaing que l'histoire leur a balancé dans la gueule. Je vous rappelle que si aujourd'hui on a 2500 brasseries qui font voltiger les IPA et les sour aux fruits dans tous les sens, et ben dans les années 80-90, il y en avait moins d'une vingtaine. Il fallait s'y accrocher à sa brasserie pour pas mettre la clé sous la porte, ou se faire bouffer comme dans une vulgaire partie d'Agario. Dans ce merveilleux contexte, et ben un peu comme avec la brasserie de Saint-Sylvestre, hein, qui a créé la Trois-Monts, qu'on a vu il y a quelques temps, et ben la brasserie Castelin va créer la Ch'ti, qui va la sauver. C'est vraiment LA bière par laquelle on les connaît. Mais d'où elle sort? Pourquoi ils l'ont appelée comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé, exactement? En mai dernier, j'ai eu la chance de pouvoir aller rencontrer Nico. Non, je peux pas l'appeler comme ça. J'ai eu la chance d'aller rencontrer Monsieur Nicolas Castelin. C'est le boss qui a eu la gentillesse de tout m'expliquer et même de me faire visiter sa brasserie de A à Z. Et il vous racontera ça mieux que moi. Ça démarre ici, Bénifontaine, au nom pour une brasserie. Alors pourquoi le nom de Bénifontaine? En fait, parce qu'il y a un bois qui délimite la commune de Bénifontaine et de Lulu, et dans ce bois-là, il y a des sources, et donc il y a un sentier qui était le sentier de la source, le sentier de la fontaine, et qui avait vocation à faire guérir les personnes qui avaient des problèmes de vue. Ok, donc, c'est un peu le Lourdes du Nord. Ouais, alors, plus modeste, mais... Donc voilà, donc la brasserie s'est installée en 1926 sur la commune de Bénifontaine, par une famille qui s'appelait la famille Delomel, trois frères. Et en 66, ils ont vendu à mon grand-père les gros et racheté les belles entités, laissé mourir celles qui n'avaient peu ou pas d'avenir. Et mon grand-père, en fait, a occulté cette partie de la difficulté du marché brassicole et est devenu acquéreur de la brasserie de Bénifontaine. Et donc, il est devenu la brasserie Castelin et on s'est lancé dans l'aventure de la bière. C'est fou parce qu'il a été visionnaire dans sa démarche. C'était vraiment presque le pire moment pour focus sur la bière. Et ouais. Puis au final, ça... Je te confirme. Ouais. Donc, la fin des années 70, ben, pour la réalité de la brasserie, c'est quoi? C'est de se dire, ben, aujourd'hui, on a un marché qui est compliqué, on fait des bières de table. Quelque part, le coût de production, il est plus cher que le coût de vente de nos confrères au grand public. Donc, on est quand même dans une spirale qui est quand même mal engagée, quoi. Hein, donc, on va pas se mentir. Trois options s'offrent à nous. On vend, on trouve l'idée de génie ou on meurt. Et la clé de sortie, on l'a trouvée avec du travail, avec un peu de chance. Et elle est venue d'une cuvée de Noël. Une bière beaucoup plus alcoolisée, beaucoup plus goûteuse que ce qui existait à l'époque. Au début, personne n'y croit. Même nos chauffeurs ont du mal à y croire. Et on arrive à vendre les bouteilles qu'on avait produites. Nos clients nous disent, ton produit était bon. On n'en boirait pas tout le temps, mais de temps en temps, ça nous ferait plaisir d'avoir des bières comme ça. Et là, le déclic se fait. Finalement, notre métier, c'est de faire des choses qui n'existent pas vraiment aujourd'hui et d'aller vers une chose différente. Et on se dit, donc on va faire une bière qui va être un peu moins alcoolisée quand même que ce qu'on avait fait pour Noël. Et il faut lui trouver un nom. On s'est trouvé le diminutif de Ch'timi qui correspondait à l'ensemble de nos clients qui sont issus des cités ouvrières minières. C'est la naissance de la Ch'ti. Donc Ch'ti, c'est né début 79, à la suite d'un dérivé finalement d'une réussite d'une cuvée de Noël. Et donc la brasserie a pu stabiliser sa décroissance quelque part et puis essayer de repartir. Ouais, j'ai une image d'avion tiré sur le manche là quand tu... On est passé pas loin du sol, vous voyez. Là, c'est le site historique. Alors, le site historique, on est là, et donc là, c'est la salle de brassage historique. Vraiment, ouais. 1926, bah, je te propose qu'on avance, ce sera plus sympa. Pour le reste de la visite, je vous propose quelques petites séquences pour découvrir comment ça se passe de l'intérieur. Comme d'habitude, si vous en voulez plus, rendez-vous très bientôt sur la chaîne secondaire. Ch'ti est imprononçable dans des pays à l'export. Ah bon? Bah, c'est pour les pays anglo-saxons, Ch'ti, c'est imprononçable. Et donc, le bar était accolé à la salle de brassage. C'est très important. C'est plus rapide. Et derrière la vitrine là, t'as vraiment l'histoire du démarrage de la brasserie.
On a nos stockages temporaires de houblon dans les caisses frigorifiques. J'ai envie de me retrouver enfermé là-dedans. Bah écoute, tes rêves peuvent devenir réalité hein, si tu veux. Les chapeaux ici que t'as, c'est pas les chapeaux de l'armée, mais c'est les chapeaux des chauffeurs livreurs. Salle de brassage assez traditionnelle par rapport à ce qu'on avait de l'autre côté. Vous avez gardé le même process ? On a gardé le même process, on veut de l'infusion ascendante, pas de décoction, pas d'utilisation de maïs, de riz ou quoi que ce soit à ce niveau-là. Et ça, ça fait vraiment partie du démarrage de Jade en fait. Mais alors c'est sorti d'où Jade ? D'un repas de famille. Donc voilà, d'un brainstorming familial. La brasserie est une toute petite entreprise, il n'y a pas d'agence média, et on se remet dans les années 80, il n'y a rien. On est des paysans finalement et des brasseurs et on se débrouille avec ce qu'on a, avec le bon sens qu'on peut avoir. Oui, les connotations, ce qui est associé peut fonctionner, c'est une pierre semi-précieuse, c'est vert. Voilà, ça se prononce facilement, il n'y a pas de la difficulté d'une barrière de la langue. On peut être uniquement orienté vers nous, mais c'est pas forcément ce qui nous anime non plus. Ce qui nous anime, c'est plutôt de faire comprendre que la bière peut être multiple et qu'il y a plein d'hommes et de femmes qui se sont cachés derrière plein de brasseries qui ont parfois disparu. Ouais, je vois la bière du Corbeau là, qui du coup est revenue au goût du jour il y a quelques années. Oui, bah, elle est revenue sous une autre manière. Bah, Maud Cordonnier revient, il y a Perle qui est revenue il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Notre roi Gambrinus. Oh, il a plus de bites que ça normalement. Ouais, mais là il a effet svelte un peu. En hecto, c'est combien ça ? 200. 200. Ouais. Des beaux bébés. Ouais, c'est des beaux bébés, mais c'est à taille humaine quoi. Donc, ouais. J'ai l'impression d'être dans des émissions genre American Pickers, des trucs comme ça. Là. That's a good day to be a picker. Et on en a encore plein en réserve. T'as l'évolution un peu des différents packagings de ch'ti, c'est sympa. D'accord, c'est un peu l'autoroute du Malte ici, j'ai l'impression, non ? C'est... voilà, on aime bien les choses un peu galbées, un peu arrondies, c'est sympa. Et on n'aime pas les formes trop géométriques. On a une ligne d'embouteillage qui est très flexible puisqu'on fait du 25 centilitres, du 33 centilitres, du 65 centilitres, du 75 centilitres bouche liège. On fait du verre neuf comme aujourd'hui, on fait aussi du verre consigné avec notre laveuse qui est là et le système de décaisseuse en caisseuse. Donc c'est bien, quoi étancher un peu de soif. Alors tu parlais d'hypnotique tout à l'heure, les robots c'est assez hypnotique. L'idée c'était quoi ? C'était de se dire, bah, Thierry qui est là-bas, c'est un gars qui est avec nous depuis plus de 30 ans. Il a tout fait, il a porté énormément, il lui reste 2 ans à faire, on s'est dit à un moment donné on va pas... Il faut essayer aussi de l'économiser parce que c'est quelqu'un qui a mouillé la chemise pour l'entreprise. Continue la période héroïque, t'as rien mais tu dois faire. Et donc du coup on a investi avec lui sur cette partie là et en même temps c'est là où c'est beau, c'est que ça joue le jeu, c'est-à-dire qu'en fait il est de la génération où t'avais rien, t'avais même pas de machine à boutons et finalement le robot il sait le faire aller quoi. Bonjour. Bonjour Sidonie. Bonjour Faïsa, bonjour Pauline. Et donc le laboratoire central de la On fait tout ce qui est mesure d'alcool, amertume, pH, couleur, tenue de mousse. T'as des banques de levure ou tu les réutilises de temps en temps ? On a des banques de... Alors en fait, on a des levures historiques qui est la brasserie, ouais, qui ont servi à faire la partie ch'ti et jade. Mmh. Aujourd'hui, forcément, tu me dis bien que les bières qu'on demande ne peuvent pas être faites avec la même levure. Donc aujourd'hui, on utilise 5 types de levures. Certaines qu'on a été chercher dans les bibliothèques, d'autres qui sont de levure du grand commerce. Ah, ça, j'en rêve, hein, parce que putain, faire des palettes, ça donne le tournis. Ouais, ça prend un peu de place. Aujourd'hui, effectivement, on fait à peu près 100 000 hectos. Au début des années 80, on en faisait 3 000, quoi. Donc forcément, la partie historique qui servait de hall de conditionnement, de production et ce genre de choses, c'est le musée qui est là où est la boutique aujourd'hui. C'était notre ancien hall de conditionnement. Voilà, donc c'était tout petit et on a gardé toutes ces pièces historiques. Et ce qu'on est en train de faire n'est pas antinomique avec de là où on vient. Parce que ce qui importe, c'est le goût. En tout cas, que ce soit pour Trois-Monts, pour Castelin ou les prochaines visites de brasserie que je vous prépare, il y a une réalité qui plane, une loi du marché à laquelle la bière n'échappe pas. Si tu stagnes, tu crèves. Là, entre le craft et la grande distri, on n'a pas le cul entre deux chaises, mais plutôt entre un tabouret pivotant et une chaise de camping. Vous imaginez bien que dans ce genre de situation, pour rester stable, il faut être doté d'un certain sens de l'équilibre, voire même d'une certaine souplesse. Alors, c'est mon point de vue, hein, mais chez Castelin, cette souplesse, on la retrouve dans les choix qu'ils ont su faire même pour rester dans la course, sans faire de concessions sur le brassage, tout en défendant fièrement leur origine. Il n'y a qu'à voir tout l'amour qu'ils injectent dans leur création, que ce soit leur gamme permanente ou les éphémères, les moments de partage sincères. Bref, je trouve qu'ils ont réussi à préserver un équilibre assez fragile entre tradition et innovation, ce qui est assez respectable. En plus, leurs verres sont complètement ouf. Bon, lui, il est un peu sale, mais j'étais clairement team Técou, là...
je pourrais presque boire une Heineken dedans que ça passerait. Non. Je vous invite aussi vivement à aller visiter la brasserie et le musée, qui est incroyable, par vous-même. Puis en plus, c'est Bertrand Castelin en personne qui s'en occupe. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous appréciez découvrir les histoires et les personnes qu'il y a derrière les bières de grandes brasseries historiques familiales. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. D'ailleurs, un énorme bisou à tous ceux qui soutiennent la chaîne d'une façon ou d'une autre. Ça peut être en parlant autour de vous, en partageant les vidéos avec Utip et Tipeee, à tous ceux qui ont rejoint l'Ordre du Point Houblonné pour les coffrets, les abonnements ou qui prennent des potions ou les petits packs que je leur prépare. C'est grâce à vous tous que je peux continuer à faire des vidéos aujourd'hui, donc du fond du cœur, merci. Sur ce, à la prochaine, portez-vous bien. Force et houblon !